Salut à tous, c'est Siltog, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, je sais plus combien. Normalement, c'est 9 de Tropica Island Aventure. Aujourd'hui, donc j'avais prévu de commencer la grande maison. De commencer une belle petite maison. Donc c'est une maison que je fais quand... Attendez, je vais juste baisser le son un poil. Quand je dois faire cette maison, bah je la fais dans les serveurs. C'est la maison que je fais tout le temps. En fait, je sais que faire cette maison. Donc je la trouve plutôt belle, pardon. Et puis pas difficile à faire en fait. Voilà. Donc je vais récupérer la stone. Et puis la cobble aussi. Hop. Alors descendu à 30 FPS. Donc voilà. Pourquoi j'ai une épée en or? Parce que j'étais en train de... Ah oui, d'ailleurs. Donc j'étais en train de regarder... Enfin, il n'y a rien, Pitman qui était sorti, donc je l'avais fracassé. Voilà. Alors... Je vais ranger à peu près tout ce que j'ai pas besoin. Hop. Et j'ai trouvé la solution pour les arbres. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, honnêtement, mais voilà. Donc on va continuer, on va commencer à les faire pousser. Je crois que j'avais utilisé toute la bone meal. Bone meal, qu'est-ce que c'est ça? Protection, protection, protection. Ok. Je vois pas de... J'ai pas de bone. Ah oui, je les avais utilisés pour rien. Donc ouais, donc je vais m'autoriser à les gif parce que mode 1, hop, on va prendre bone, on va prendre la moitié, voilà, comme ça on est raisonnable. Donc je vais montrer en fait si c'était passé. C'est tout simple. J'ai vu aussi une grotte là bas j'ai dit que j'allais la farmer, je crois, mais j'ai pas pu la faire. Ok, donc on est un petit peu éclairé dans les alentours. Ça me fait un peu bizarre parce que je joue totalement dans une résolution différente à l'écran, donc ça me fait très bizarre. Donc, ok. Par exemple, si je veux planter mon arbre ici, il me faudrait plutôt des blocs. Je vais prendre des blocs. Ah oui, pourquoi ce skin? Parce que... Voilà, c'est le swag. Non, parce que on est l'été, donc j'ai décidé de lui enlever les manches. Voilà. Ouais. Donc, on va prendre de la cobble. Hop. Donc, je vais en profiter pour vous dire de rejoindre ma page Facebook, ma page Twitter et ma page Twitch, parce que je live tous les jours. Voilà, vous pouvez m'ajouter sur la PS3, etc. etc. Bon, je le dis à chaque vidéo. Mais bon, donc par exemple, je vais planter l'arbre ici. On va monter comme ça. Et en fait, on va mettre... C'est tout simple et tout con. Faut qu'il y ait de la lumière pour qu'il pousse en fait cet arbre. Putain, c'est pas vrai. Mais c'est encore fail quoi. Je crois qu'il a pas assez de d'espace. Il a pas assez d'espace le d'un arbre. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. C'est faut qu'il y ait beaucoup d'espace. Donc attendez, on va essayer de le mettre là. Ça, on va reboucher. Hop. Je vais le mettre comme ça, peut-être que ça arrangera les choses. Voilà. Donc on a fait pousser un arbre. Donc notre premier arbre, on va en pousser un côté. On va faire pousser un côté. Hop. Donc c'est là, tout simplement, il faut qu'il ait besoin de... Il faut qu'il ait de la luminosité. Sinon ça va pas marcher. Hop, non, ok, pas du tout. Allez, pousse, putain.
C'est quoi? Je vais juste en faire un en game mode parce que ça commence à me saouler. Hop là, on va mettre tac tac. Et puis. Hop. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc on va agrandir ça un de ces quatre. Et puis ça sera bon, désolé du game mode, ça m'avait un petit peu saoulé, on va dire. Bon, on va valider l'objectif, je vais le faire plus grand. Donc on va dire que l'objectif est validé. Je voulais. Est-ce que j'ai replanté les cannes à sucre? Je sais pas du tout par contre. Donc je voulais voir quelque chose. Je voulais suivre un truc sur mon fraps. Donc, je voulais voir les lingots d'or qu'on a, qu'on peut se faire. Ouais, non, on va faire la pomme dorée tout de suite. À part si je l'ai pas encore faite. Déjà, est-ce que j'ai une pomme? Ça fait déjà 6 minutes, oui. Donc, on va se faire la pomme dorée. C'est pas, de toute façon, dans l'objectif, ce n'était pas dit que qu'il fallait en faire une grande. Donc voilà, je valide l'objectif. Si je peux en faire une grande, j'hésiterai pas à en faire une. Mais on va dire que l'objectif est validé. Alors, je vais juste faire un petit tour des coffres pour voir les machins que j'ai. Ouais, okay, je vais prendre cette pioche. Je regarde un petit peu parce que ça fait pas mal de temps que je suis pu retourner sur la map. Ok. Donc je voulais aller voir si là-bas y a de la canne à sucre parce que j'ai besoin de canne à sucre. Et oui, je fais crrr parce que c'est chiant crrr. Ok, il y a de la canne à sucre là qui n'a pas trop poussé. On va quand même raser tout ça comme ça. Ils ont plus le temps de pousser. Hop. Hop là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc aujourd'hui, on va entamer la maison. Donc j'ai pas encore décidé où je vais la mettre. Je pense qu'on va la faire là-bas. Vous allez voir que c'est une maison qui pratiquement c'est exactement la même que celle-là avec le coin et tout, mais elle va être beaucoup plus grande au niveau étage et tout. Et vous allez voir, ça va vraiment être pas mal. Je pense que ça va prendre 2 épisodes. Bah, en fait, pour vous dire, c'est exactement la même que sur à la recherche de l'Ender Dragon. Sauf que ça va être en survival. Voilà, c'est exactement la même. Désolé si je fais toujours la même, mais le problème, c'est que si je commence à faire d'autres maisons, je vais regarder un tuto pendant l'épisode et je pense que. Ouais. Je pense que. Voilà, je me mets à votre place et vous aimeriez pas regarder ce genre de choses. Bref! Ah ok, j'en avais là. Je l'avais pas vu. Donc, on va commencer par faire la base de la chose. Les animaux, ils sont bien bruyants, hein. Ok. Donc je pense la faire. Voilà, ici je pense que c'est un coin. C'est un beau petit coin. Donc on va commencer par l'entrée. Donc qui fera 2 de large comme ça. Donc là en fait il y aura les portes. Ouais, on va quand même faire ça comme ça. Donc là, on va. Alors, je reprends juste vite fait la base de la maison. Ok. Donc l'idéal, ça serait d'en faire 3, 4. Ok. Non, donc je me suis déjà trompé, ça va déjà pas bien. Ah si, non. Bref, là, ça va être comme ça. Donc l'entrée qui va être là. Hop. 1, 2, 3. Voilà, donc là il y aura 2 portes. Ouais, on va large. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recompte parce que je me suis fail, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, en fait, ça sera là. La taille de la maison. Je regarde juste combien elle était cette maison.
Est-ce que je suis en normal déjà? Enfin, je suis en hard. Donc, était de 1, 2, 3, 4. Putain, chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle était de 9. On va la faire de 12, je pense. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Hop. On a fait de 5. 1, 2, 3, 4. Ok, j'en ai fait de 4. Attendez, je commence à enchanter ma pioche. Je suis allé beaucoup trop loin. Je suis en train de me poser une petite question. Est-ce que la maison serait pas trop petite? Alors écoutez, ce qu'on va faire. Alors je suis en train de me poser la question. J'avoue que c'est un petit peu embêtant. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fais une rapide ellipse et on se retrouve tout de suite après. Donc, donc je suis tout simplement allé voir les dimensions de la maison à la recherche de l'Honneur Dragon. Bien sûr, il n'y aura pas la fontaine, machin, machin. Mais ça va être la même maison en fait. Donc j'ai déjà fait 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mais en fait, je me suis totalement trompé. Mais on va quand même essayer d'apporter une petite touche d'originalité. Et pour ça, je pense que j'ai une toute petite idée. Attendez, elle fait bien 12 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, on dirait la taille de l'autre. Non. On va changer de ça tout de suite. Donc en gros là. On est en train de faire la base de la maison. Ça m'a énervé. On va... Désolé de ce petit début, c'est toujours les... C'est toujours le problème. C'est toujours les fondations qui font chier. Enfin, pas les fondations, la base. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire exactement la même maison. Parce que voilà. Ok. Ça fait déjà 14 minutes qu'on est en vidéo et je n'ai rien fait. Donc on va s'activer le... Trou de... Non, pardon, excusez-moi. Voilà, donc faudrait en fait ce que j'aimerais faire c'est rajouter une espèce de petite salle comme ça à l'arrière pour je sais pas pour envers Georges et des cultures donc ouais je pense qu'on va faire comme ça. Mais d'abord on va chercher du bois, j'espère que j'en ai, j'espère que j'en ai, j'espère que j'en ai, j'espère que j'en ai. Ok j'ai rien du tout. Écoutez, on va dire ellipse. Et à tout de suite. Donc re les amis. Donc voilà j'ai acheté un petit peu de bois. N'est-ce pas? Un petit peu beaucoup même. Donc voilà donc j'ai mis les coins là. Maintenant il reste plus qu'à relier comme ça. Donc je fais une petite ellipse. Non au pire non. Fuck.
Pour ça, on a besoin de beaucoup de bois. Ah oui, c'est vrai, ma pioche, elle a pété. Fuck. Fuck my life. Donc, on va... Hop. On va mettre déjà de chaque côté, comme ça. Hop, hop, hop. C'est vrai qu'on a... On est encore en mode double string. String. Double sprint. Ok, voilà. Donc, voilà. Là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 9. Donc ça fait 3 trucs de... Ok, donc on va... Voilà. 1, 2, 3. Non, fait... Donc si j'ai 11, qu'est-ce que je peux faire avec 11? Je comprends pas. Je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Si je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, il m'en manquera une. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, non, 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 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Ok! 1, 2, 3, hop, hop, 1, 2, 3, hop, hop. Puis là, on mettra... Les vitres, donc on va faire pareil de l'autre côté. Parce que là, je me suis encore foiré, quoi. Ça va être un épisode un petit peu long. 1, 2, 3, hop. Alors là, on a 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est proportionnel. Ouais. Et là, on va mettre ça comme ça. Donc ça sera la porte d'entrée. Voilà. C'est bien. Allez. T'as l'impression que tu bugs, mais en fait t'es en solo donc tu peux pas bugger. Voilà. On est dans un lit de bébé. Alors je regarde si j'ai pas un petit peu de... Ouais, je pense qu'il faudra que j'en fasse chauffer. De la cobble là, de la stone brick. On a aussi du sable à faire chauffer pour avoir des vitres. On va faire chauffer tout. On va tout faire chauffer. Donc, ce qu'on va faire maintenant. Là, on va faire le deuxième étage. Ok, il y a un bruit chelou chez WAM. En fait, on va faire le deuxième étage et on va faire exactement pareil qu'au premier. Donc, je fais une ellipse et on se retrouve tout de suite après. Donc re les amis, donc on se retrouve bah par la suite. Donc j'ai donc là on est tout simplement le lendemain parce que après j'ai pas pu tourner, donc j'ai fait ça à l'arrière. Je vais essayer de faire un truc, je vous garantis absolument rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas vous garantir que ça sera bien parce que c'est tout simplement la première fois que je fais ça sur la maison, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on va récupérer les glaces. Tu vas me dire qu'il y a que ça comme glace. Ah, c'est la neige de la glace. Attendez, je regarde un truc. Pardon, excusez-moi. C'est un petit peu casse-pied tout ça. Donc là, je répète que si vous voyez cette vidéo, c'est que je devrais être en vacances normalement si tout va bien.
Il n'y en a pas beaucoup de glace. Il faut que j'aille en faire chauffer, hein. Parce que si j'en fais pas chauffer, là ça va pas être très très bon. Je vous assure. Alors, à mettre tout ça là-dedans. Donc, on va commencer. Donc, j'ai dû chercher encore du bois. On va commencer par mettre le deuxième étage. Hop. Désolé si vous entendez mes clics de souris. Faudrait que j'arrange ça parce que c'est. Je vous avoue que dans la vidéo c'est pas tip top. Là, je regarde. Ouais non. Hop. Voilà. Hop. J'essaie pas trop de faire d'ellipse. Je sais que. On est en normal. Je sais que les ellipses, des fois, ça ne plaît pas aux gens. Ouais, je vais encore récupérer du bois, malheureusement. Là, il faudrait vraiment que je fasse une ellipse. Et je vais aussi faire une hoche. Une hache. Une hoche. Parce que je pense qu'il serait temps. Hop. Donc on se retrouve tout de suite après. Ok les amis, donc on va. On va terminer ça. Cette map me fait pas mal laguer. Dois vous avouer. Mettre des torches pour que vous y voyez un tout petit peu plus clair. Quand même faire tout ça bien. Hop là. Voilà. Est-ce que je. Oh putain, je suis en hard. C'est vrai parce que j'ai tourné la série à d'avant sur. Enfin, j'ai tourné le dernier épisode de à la recherche de l'Under Dragon. Donc voilà. Excusez-moi si j'ai soufflé dans le micro un petit peu trop fort. Oui. Est-ce que là-dedans? Non, j'ai rien du tout là-dedans. Wow! Un gars qui a parlé sur Facebook. Petite ellipse les amis, je suis désolé, là je bug trop. Ok, donc ouais, des fois il faut juste relancer ou arrêter l'enregistrement parce que j'ai tourné à 30 FPS. Ça n'est pas très cool. Bon, on va installer les vitres. En fait, ça fait bizarre que là, en fait, quand tu penses à. Enfin, quand je pense que là, en fait, je suis en train de faire la vidéo alors que normalement, je devrais être en vacances posées. Ça me fait un peu bizarre, en fait. Hop. Voilà. Et franchement, c'est agréable, on va dire. Maintenant, ça m'embête de dire ça, mais il faut que je démonte tous les escaliers. Comme ça, j'ai pas besoin d'en faire. Tous les escaliers pour les mettre là. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un accéléré. Et puis, on va couper tout ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Thank you.
Nous voilà. J'ai récupéré 60 escaliers. Ce qui est plutôt cool. Donc maintenant il nous reste plus qu'à les mettre sur le toit. Donc comme c'est une partie plutôt chiante, les amis, je vais le faire hors caméra. Et je vous dis à tout à l'heure. Ok les gars, donc pardon s'il y a aussi des filles, donc excusez-moi. Faites pas. Merde. C'est la dèche ça. Ah. Demi-tour, je sais pas. Désolé si vous entendez les cloches. J'ai eu un squelette. Je veux ton armure. J'ai quand même passé beaucoup de temps à faire le toit. Bon, à le démonter, c'était moins long. C'était moins long, mais bon. En tout cas, voilà. J'ai terminé. Donc maintenant, on va passer à la phase extérieure. Donc en fait, on va démonter en fait toute cette maison. Et en fait, grâce au morceau, on va refaire ça de l'autre côté, à l'autre maison. Donc là, on va plutôt s'attaquer au décor maintenant, puisqu'il n'y a plus trop beaucoup de choses à faire maintenant à l'autre maison. Donc je vais enlever ça. Comment ça? J'ai une pousse, les amis. J'ai une pousse. Ouais, j'ai vu que... Et on a bien vu que j'ai eu une pousse d'arbre. Je rêve pas. What the fuck? Bon. Ce n'est point grave. Si je puis-je. Ouais, bah du coup, je suis con. Ah, il reste encore des escaliers. Cool. Ah ouais. Ouais, dis-moi putain, en plus, j'ai plus de hache. C'est la dèche. Bon, ça me stresse là, il n'y a pas de porte. Je vais en faire. Ça me stresse quand il n'y a pas de porte. Je vais peut-être ap apporter des modifications dans l'autre épisode. Ça se peut. Donc là, on va faire pareil que là. On va mettre des dalles. Comme ceci. Comme celle-là. Et dans les coins, on va laisser. Bon, ok, j'ai plus de dalles. C'est la déche. Tout autour là on va mettre ça, je sais pas comment ça s'appelle, de la leaves. Ok, oui c'est vrai, j'ai inventory twix. Ah ouais, du coup on a ça. Bon, ça je sais pas ce que je vais faire, je vais travailler hors caméra parce que je vous avoue que pour l'instant là j'ai pas trop d'idées pour faire ça. Donc on va laisser. Traverse pas toi. On va monter à l'étage et on va mettre des... Il me faut quelque chose. Je vais me faire une hache. Ouais, donc je sais pas du tout à combien de minutes d'épisode nous sommes. C'est un petit peu galère. On va prendre tout le fer, hein. On va pas se gêner. Et, ah ouais, mais non. Pas se gêner, on va prendre tout ça. Donc je récupère tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà ce qu'il en reste de la maison. Alors attendez, on va juste enlever tout ça. Ça c'est encore des 2000 dalles, donc ça m'intéresse.
Voilà, donc il reste plus beaucoup de choses encore à la maison, hein. C'est encore un truc rectangulaire. Donc les 2000 dalles que j'ai récup, on va les mettre tout autour. Je crois que j'en aurai même pas assez. Ça me gêne un peu que je sais pas combien d'épisodes, minutes d'épisodes je suis, mais bon, on fait avec. On va encore mettre les vitres au-dessus. Est-ce que j'ai des blocs? Oh, bon. On va y aller comme ça. Hop. Je sais même pas si j'aurai assez de vitres. Ah, quoique. Je sais pas. C'est quoi comme pioche ça? Une efficiency. Oh, arrête de gâcher des vitres comme ça, toi. Bref, j'espère que pour vous, les vacances se passent bien. Que se passe bien. Et j'ai plus de vitres, c'est la dèche. Je vais aller en récupérer. Le toit il est un petit peu zarbi, je vous l'accorde. Je vais le rabaisser de 1, peut-être. Je vais sûrement le rabaisser de 1. Petit peu bizarre en fait. Quoique. Des fois quand c'est bizarre, c'est bien. Voilà, et maison à moitié décapitée. Yeah. J'ai un petit peu un manque de ressources. Mais bon. Donc, on va prendre des blocs. On va faire comme dans l'autre maison. Donc attendez. Il reste juste encore un tout petit peu de blocs. Voilà, nickel. Et on va mettre des escaliers par dessus. Comme ça-ci. Puis on va mettre comme ça. Ouais, c'est cool. C'est chelou, mais c'est cool. Et donc, ça, on va mettre ça. Yes. Alors, du coup, je suis un petit peu embêté ici. Je sais pas quoi faire. C'est un petit peu chelou. On va faire comme ça, je pense. Mais attendez, pourquoi? Bref, toujours. Les bons trucs. Puis peut-être comme ça. Je sais pas. Je ne sais point. Hop. Puis je pense qu'après, on pourra se laisser là. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ah putain, je me suis fait mal tout seul là.
Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Et puis, hors caméra, je vais un petit peu travailler cette maison. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et à plus pour de nouvelles aventures. C'est Skitosks. Ciao.